Et bon, prends tout. Bon, nous pouvons nous trouver dans les Nations Unies, nous parlons de défendre le pays, nous parlons de défendre le peuple haïtien. Nous avons six bagages, nous allons parler sur la question et mercenaires Jovenel Moïse recruté dans le monde là pour venir sur le peuple haïtien. Nous allons parler sur le dossier Fonds Caribéen. Nous allons parler sur le ministre soldat qui était un paquet de monde en Haïti. Nous allons parler sur le soldat dominicain qui était plus sur le pays haïtien. Et puis en gros, nous allons parler sur la situation du monde là. Et puis sur la crise haïtienne là. Nous allons voir ça, nous allons faire. Nous venons faire un combat historique là pour Haïti, pour le pays. Nous sommes contents de tous les supporters, tout le monde qui, à travers les réseaux sociaux, qui travaille pour supporter le mouvement d'affaires, tous les leaders politiques, tout le monde qui travaille pour la démocratie dans le pays. Nous sommes vraiment contents, je dis, nous faisons un gros travail héroïque pour Haïti. Et son travail important, important. Nous avons fini par parler avec notre président dans la région. Et son occasion, nous avons pris le pays. Tout ça nous vient comme monde, tout ça nous vient comme capacité, tout le fiasse que nous avons dans le monde là. Pour que nous fassions Haïti libre pour nous développer le pays. Nous croyons haïtiens, quel que soit le côté, nous sommes contents sur nous, de travailler dans le pays. Moi, je ne suis pas pressé, nous croyons dans le pays quand même. Les nouvelles faites, nous avons fait Haïti, c'est juste pour le faire. En gros, nous pouvons parler par le Dessalina et en même temps, tout, nous pouvons parler des drapeaux noirs et rouges, qui nous prennent des décisions ici dans le pays, pour montrer les Nations Unies, et ils ont échoué par rapport à ça, ils ont comme vision. Mais nous-mêmes, nous avons fait ce travail pour nous libérer le pays. C'est pour une libération politique, pour une libération économique, pour une libération sociale. Je dis à nous pas qu'il n'y a pas de problème par rapport au travail d'affaires parce que nous déjà à l'ouest qui nous a fait pour nous retirer Haïti dans sa lire. Tout le monde compte sur nous, nous parlons de défendre le pays. Nous avons une invitation pour une fois que tu raté. En plus, nous avons une qualité posée parce que nous avons croisé avec le gouvernement le jour de l'an. Ça a créé un conflit, nous avons demandé pour nous reporter le voyage là. Nous n'avons pas de problème avec ça. Et je dis à nous présents dans cette Nations Unies, nous parlons pas les paroles de Haïti. Fais pas ici, nous mettons compte sur nous. We have six now. Oh, one second. C'est la dame au téléphone. Vous pouvez donner votre nom. Ton nom. Steve. Le sénateur Moïse. Votre nom. Madame, elle est où? Il y a aussi la dame. Eh bien, vraiment vrai, ça c'est. Nous venons répondre à l'invitation que les Nations Unies ont voué en lettre d'invitation à l'ancien sénateur département Nord, Maurice Jean-Charles. Et côté, ils ont été invités pour être capable de répondre à quelques questions d'actualité, à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et vraiment vrai, ils ont un peu de difficulté pour être capable d'arriver à participer à la première, dernière invitation qui a été vouée à Bali. Pendant qu'ils ont célébré la 73e session annuelle des Nations Unies, ils ont été invités, mais à cause de quelques confusions qui ont passé, ils ont été obligés de renvoyer
rencontre ça et je devrais changer nouveau date là jeudi hein. Et malgré toute difficulté qui gagne entre pouvoir capable tout ça capable tout ça on connaît le capable boycotter rencontre sénateur qui gagne aux Nations Unies, eh bien je te voyé une autre fois encore une invitation pour être capable venir chita parler ensemble avec vous pour être capable boire et sur qui base capable porter une solution dans la crise qui gagne actuelle dans le pays d'Haïti. Eh bien, je vais faire quelques petits parcours, je suis capable de tout donner, après je suis capable de tourner plus. The media man, are you speaking to the whole of the Caribbean? Yes, sir. Very good. And Senator, Mr. Et quand nous parlons dans quelques minutes là, nous parlons de l'intérieur. Et en dedans, pour être capable de commencer la séance, qui est supposé de commencer vers 3 heures. Mais comme nous avons quelques activités qui sont réglées, comme nous avons commencé. Et nous connaissons, tout le monde connaît qui est Moïse Jean-Charles et qui bataille la menée en dedans du pays d'Haïti contre les bourgeois réactionnaires et contre tout le crime qu'il a fait contre. Démocratie, en Haïti, tout ça a fait sur le peuple. Là. Et un peu le monde était vexé à ce qui est passé. Là, il y a drapeau noir et rouge là, en place, drapeau bleu et rouge. Là. Et un peu le monde était problème ensemble avec ça. Mais lui-même, ce qu'il a prôné, c'est que c'est l'idéal de s'aligner là. Côté un peu le monde, nous avons un problème. Et en pile d'après d'un pile auditeur, auditrice qui était opiné sur ce qui est passé. Hein. Et bien, je vous dis, hein, et comme il était annoncé hier à la radio, que les gens pour aller dans l'ONU pour répondre à l'invitation qui est besoin pour lui. Ça, c'est... Okay. Salut. Okay. En forme, en forme. Et ça, c'est mon cap. Salut, sénateur, pour la rentrée. On est là? Ah oui, so, actuellement là, nous en route et avec une délégation. Pour nous participer pour mon équipe qui branché. Pour nous participer, nous allons répondre aux questions et puis sénateur pour parler des plans, des idéologies de Salinien qui l'a prôné. Dans le pays, ça fait longtemps. Et côté, il y a toujours un petit groupe de monde, un petit groupe 5% de pays a toujours à boycotter le mouvement. Et mais je dis, hein, et ce n'est pas le premier visite dans l'ONU, mais dans plusieurs occasions, toujours invité lui pour avoir une bonne question. Et bien, actuellement, là, c'est le sénateur là qui est devant nous, qui est en route pour qu'on rentre. Et il y a un bagage qui est nous connaître, n'importe le ou la façon dont on va aller jusqu'au bout. Et pas de boire, même les corps toujours fait pour bloquer nous. Et bien, la bataille est jusqu'au bout pour aller. Accueillir le sénateur avant qu'il n'y ait pas rentré. Oui, ça c'est le bâtiment du secrétaire général. Ça commence ici. Et actuellement, là, nous arrivons dans un bâtiment qui a un office dans la tribune des Nations Unies. Nous avons capable de mur vers ça. Et c'est là le plus souvent. Séance est toujours faite. Là, il y a un gros étranger, des diplomates qui sont toujours invités. Je vais parler. Là, je vais... La salle, l'assemblée.
Please remove obstructions from doors. Vous avez des supporters dans le bâtiment. Oui, ils sont beaucoup, déjà là. Beaucoup. Beaucoup. Le 27e étage, 27th floor. Madame. Hey, I'm going to peel my map. Where can you leave their coats? You should have some. Not here. There's one at the end of the corridor, I think.